Welcome to the Hour Show. As you can see, this changed from my normal setup. Where am I? Central Park. Guess who's going to be on the Hour Show today? Sally Keita is the guest on my show today. I'm so excited. Looking forward to interviewing him. See you later. Hello, Salif. Hello. How are you? Fine, okay. I am so happy and honored to have you here with me. Oh, thank you. I have to tell you, this show is going to be in French because Salif is more comfortable with French, right? That's right. But it will be subtitled for those of you that don't speak French. I will be the one having problem because I haven't spoken French for so long. Oh, no problem. I'll try to understand you. So, our French is better than your English, I'm sure. Salif, c'était la fête des pères. Ouais. Yeah. Ouais. Happy. Ouais. Father's Day. Merci. Bonne fête des pères. Merci. Tu as eu tes enfants? Oui, j'ai eu des coups de fil de mes enfants pour me souhaiter bonne fête des pères. Et j'étais très content. C'est bien ils sûr. Ils sont en France, ils m'ont appelé. Papa, on te souhaite bonne fête des pères. Et tu avais en même temps tellement d'enfants. Hier, j'ai jamais vu un show avec autant d'enfants qui sont venus hier avec leurs parents pour fêter la fête des pères avec toi. C'est vrai. C'était émouvant. C'était émouvant. Ouais. Salif, hier, c'était non seulement une joie d'être à ce concert, mais de voir non seulement le talent, mais l'être humain qui est derrière tout ça. Que vous avez donné la main à tout le monde. J'ai vu les gens venir, que vous reconnaissiez, que vous ne reconnaissiez pas, les embrasser. C'était tellement humain de votre part que ça m'a vraiment touchée personnellement. Et j'aimerais savoir qui vous a appris cette humanité. Est-ce que c'est votre musique? Est-ce que c'est votre expérience de la vie? Qu'est-ce qui vous a rendu aussi humain? Je crois que c'est une culture africaine. Une culture africaine. L'hospitalité, le vouloir être dans un monde entouré de personnes et l'amour des gens autour de... Parce qu'il est difficile de vivre seul quand même. C'est pas... Moi, je crois que c'est... C'est tout simplement, je suis né dans un milieu qui m'a appris à aimer les gens, et à ne pas refouler les gens. Et c'est tout, c'est une habitude. Et puis aussi, les gens, tant de personnes, combien de personnes sont venues hier au concert, mais ils pourraient rester chez eux. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Ils sont venus pour moi. Absolument. Moi, je crois qu'il y a un proverbe qui dit chez nous, celui qui vient vers toi vaut mieux que toi. That's beautiful. That is beautiful. Voilà. Donc, the one that comes to you is better than you. Yes. That's right. So, moi, je crois que j'étais plus petit qu'eux. Parce qu'ils se sont déplacés pour moi. Oui. Ils ont laissé tout leur plaisir, toutes leurs occupations, ils sont venus me voir. Oui. Vraiment, le peu de choses que je peux leur donner, c'est de l'amour. Et vous l'avez donné, mais alors vraiment à 200%. Merci. J'en étais vraiment touchée. Et ça, c'est une belle leçon de la vie. Merci. C'est une très belle leçon. Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de cette... je vous ai dit, c'est mon français qui aura des problèmes. Your skin discoloration, qui s'appelle albinisme. Et vous êtes né. Avec. C'était dur durant votre enfance, parce qu'en Afrique, c'était mal vu. Oui. Oui. Mais j'ai beaucoup souffert. Oui. Mais en Afrique, c'était mal vu. Oui. Mais puisque tout le monde a été créé par Dieu, absolument. Je crois qu'il ne se trompe pas. Non. Non. Non, le bon Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Non. Donc, si je suis comme ça, c'est lui qui l'a fait. Absolument. Donc, il ne s'est pas trompé. Non. Ça, c'est le départ positif. That's le reste. Right. Tu luttes avec les façons de comprendre les gens. Oui. Chacun interprète ça de sa manière, sans se voir ça de sa manière. C'est que je dis, mais si je suis là, c'est une cause. Absolument. Et une très belle. Ouais, je crois. Ouais, en tout cas.
Si je suis là, c'est qu'il y a une cause. Alors, je dis, bon, moi, je crois à ce que je suis. Oui. Les autres, ils peuvent inventer ce qu'ils ont envie d'inventer. Oui. Mais quand même, tout cela dit qu'il faut d'abord que je sois d'accord avec moi-même. That's right. Pour que je m'accepte en tant que tel. Exact. Donc, ça, exact. Je crois que ça a facilité beaucoup de choses chez moi. Ça a facilité beaucoup de choses d'avoir accepté qui vous êtes. Ouais. Et vous avez une fondation que vous prenez à cœur, que vous avez donné de votre énergie, votre amour. Et c'est la fondation qui s'appelle Fondation Salif Keita pour les albinos. Salif Keita pour les albinos. Ouais. Qui a été créé quand? Mais je crois qu'il y a à peu près 5 ans maintenant que c'est créé. 5 ans. Bon, et c'est vrai que on a pas la bonne façon de rendre ça en public ou de médiatiser ça. Oui. Mais on est là-dessus. Moi, je suis particulièrement là-dessus. Ça fait une quand même bonne quinzaine d'années. Ah oui. Parce que j'ai commencé à comprendre le problème des albinos. Oui. Et j'ai dit, vraiment, pour ça, il est grand temps de s'en occuper. Qu'on fasse quelque chose. On revient tout de suite avec more of Salif Keita, The Golden Voice of Africa.